Bienvenue au service connecté Mazda. Voici comment rester connecté à ce qui se passe dans votre Mazda pour avoir l'esprit tranquille, sachant que tout fonctionne bien pour votre prochaine sortie. Pour une mise à jour sur l'état de votre véhicule et les prochains entretiens, touchez l'icône « Service » dans le menu de navigation principal. Une fenêtre s'ouvre pour afficher un rapport rapide. La carte d'alerte permet de recevoir des notifications depuis le véhicule. Appuyez sur l'avis pour avoir des informations détaillées. L'avis « Huile moteur à remplacer » vous informe si une vidange doit être effectuée prochainement. Le niveau d'huile vous indique si votre huile doit être mise à niveau. Si un service est nécessaire, touchez « Prendre un rendez-vous » et vous serez automatiquement connecté à l'écran de réservation de votre concessionnaire. Touchez la flèche au-dessus de la fenêtre « Bilan de santé » pour plus de détails, notamment la date du prochain entretien. Dans le cas peu probable où une alerte de panne ou un autre diagnostic apparaîtrait sur l'écran de votre véhicule, ces informations seraient aussi envoyées à votre application My Mazda. En touchant l'avis sur votre écran, vous ouvrez une fenêtre détaillant le problème. Si votre véhicule ne doit pas être conduit, vous pouvez appuyer sur « Assistance routière » pour obtenir de l'aide. Vous pouvez également appuyer sur « Appeler concessionnaire » pour communiquer avec lui. La touche « Prendre un rendez-vous » vous connecte à l'écran de réservation de votre concessionnaire si vous désirez prendre un rendez-vous. Avec les services connectés, il est facile de s'assurer que le logiciel de votre Mazda est à jour. Dans le menu « Paramètres », choisissez « Réglages du système », puis « Mise à jour du logiciel ». Ensuite, choisissez « Rechercher automatiquement les mises à jour » et le système vous tiendra au courant. Si vous préférez mettre à jour le logiciel manuellement, sélectionnez « Rechercher des mises à jour du logiciel » et suivez les instructions. Une fois le nouveau logiciel installé, activez-le en redémarrant votre véhicule. Vous avez maintenant l'esprit tranquille, sachant que votre Mazda est prête à partir quand vous l'êtes.